Comment faire votre propre Viagra naturel? Tous les hommes devraient savoir ceci. Parfois, quand vient le moment d'avoir un rapport intime, vous pouvez vous retrouver dans une situation quelque peu embarrassante, et ne pas être en mesure d'avoir une relation satisfaisante avec votre partenaire. C'est un problème commun que la plupart des hommes ont tendance à avoir à mesure qu'ils vieillissent. Heureusement, il existe une solution naturelle pour combattre ce problème. Le jus de pastèque est considéré comme l'un des aliments les plus puissants pour induire le plaisir, car il peut être bénéfique pour les hommes qui ont un problème léger/modéré de la dysfonction érectile. En fait, une étude qui a été publiée dans la revue intitulée Urologie dit que l'acide aminé appelé citrulline que l'on retrouve dans la pastèque en concentration élevée, a la capacité d'améliorer le flux de sang vers la vessie noire sans effet secondaire horrible, tel que le Viagra. Des spécialistes de la santé européens ont effectué des recherches sur l'effet de la pastèque comme remède contre l'impuissance. Ils ont découvert que ce fruit contient des acides aminés appelés citrulline et arginine qui contribuent à stimuler la production de la testostérone. En outre, la citrulline favorise également la dilatation des vaisseaux sanguins, pour un effet similaire à celui du Viagra. Voici ce dont vous allez avoir besoin pour faire votre Viagra naturel. Nécessaire. Une passoire, un verre, un mixeur aux grenades pastèques, en option, un de jus de citron bio. Instructions. Utilisez deux fois plus de pastèques que de grenades, en y ajoutant un jus de citron, votre mélange peut inclure environ un 4 pastèques et un grenade. Placez tous les ingrédients dans votre mixeur et mixez-les ensemble. Ensuite, si vous préférez, vous pouvez filtrer la boisson pour enlever les graines, mais les graines peuvent aider à amplifier l'efficacité du Viagra naturel. Il est préférable de boire ce breuvage délicieux sur estomac vide, de préférence tôt le matin ou tard le soir. Cette recette est sans danger pour tous les âges et les genres. Amusez-vous en toute sécurité. Mais il n'y a pas que la pastèque. Voici une liste d'aliments qui peuvent s'avérer bien utiles. Le mot avocat est un mot aztèque, qui signifie tessigne non sticule. Pour la petite histoire, ce fruit était interdit dans les monastères espagnols au Moyen Âge. Sa forte teneur en vitamine B6 aide à la production de dopamine, aussi appelée hormone du plaisir. L'avocat est également riche en potassium qui favorise la production de testostérone. Elles possèdent beaucoup de bienfaits pour la santé. Elles sont riches en zinc qui favorise la production des hormones masculines et augmente la libido féminine. Elles sont également riches en acide gras oméga-3 qui favorise la circulation sanguine pour plus de plaisir féminin et plus d'endurance masculine. La grenade joue un rôle très important dans la production de la testostérone. En effet, une étude effectuée par les chercheurs de l'Université d'Édimbourg a prouvé que ce fruit aidait à faire grimper le niveau de testostérone dans le corps de 16 à 30. N'hésitez donc pas à en consommer. La betterave possède un effet similaire à celui du Viagra. En effet, elle augmente la production d'oxyde nitrique qui dilate les vaisseaux et augmente le flux sanguin vers les organes génitaux, car les hercines onctions nécessitent une bonne circulation sanguine. Toutefois, il ne faut pas en abuser. L'ananas. Ce fruit est riche en vitamine C qui est très efficace contre l'impuissance et stimule la production des hormones du plaisir. En outre, sa richesse en fibres facilite la digestion et évite les ballonnements, ce qui peut s'avérer utile.